Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans le secret de nos tendresses, tu es là. Dans les matins de nos promesses, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Bonjour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Sauveur vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu nous appelle à la vie en abondance et sans fin. Approchons-nous de lui avec confiance et laissons-nous toucher par sa miséricorde infinie. Seigneur Jésus, Maître et Sauveur, tu redonnes vie là où la mort avait germé. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, Fils du Dieu vivant, tu es venu sauver ce qui était perdu. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, par ta croix et ton amour, tu es victorieux de toutes les forces du mal. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, qui a relevé le Christ de la mort, nous fasse miséricorde, qu'il nous touche au cœur par son pardon et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans cette Eucharistie, nous prions pour le repos éternel de Marie-Thérèse Garcia,
Robert Hervieux, Rosario Vallière. Nous prions aussi pour Diane Vell qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils et filles des Lumières. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père et Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. Et l'on n'y trouve pas de poison qui fait mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme dans l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. Ce n'est pas la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils ont fait l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, ô Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres ont paru de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Deuxième lecture, lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements à l'amour qui vous vient de nous,
qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de nous, pour que vous deveniez riches pour sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l'égalité. Comme dit l'Écriture à propos de la manne, celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manquera de rien. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché? » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeta à ses pieds et lui dit toute la vérité.
Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de tout mal. » Acclamons la parole du Seigneur. La lecture de ce dimanche nous parle de Dieu, un donneur de vie. C'est ce que nous avons entendu dans la première lecture. Dieu est présenté comme un inconditionnel de la vie. Il en est l'auteur. Il ne se réjouit jamais quand un vivant meurt. Il veut tellement la vie qu'il appelle toute personne humaine à vivre éternellement. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est lui-même. Notre destin est donc de vivre. Le dernier mot sur notre condition n'est pas le mot mort, mais le mot vie. Tout simplement, quand on est croyant, cette affirmation ne va pas de soi dans notre société. Beaucoup estiment en effet qu'on finit 6 pieds sous terre ou incinéré. Un point, c'est tout. Dieu veut la vie, mais cela n'empêche pas la mort d'exister. Chaque jour, sous nos yeux, des plantes, des oiseaux, des animaux meurent. Chaque jour, des hommes et des femmes décèdent. La mort pose toujours question. Quand elle frappe un enfant, un adolescent, un jeune, une jeune mère ou un jeune père de famille, elle paraît scandaleuse. Elle l'est. Pourquoi devait-il cela? Pourquoi permet-il cela? Poser ces questions, c'est déjà accuser Dieu et lui mettre sur le dos toute la responsabilité du mal et de la mort. Le problème est mieux formulé si nous nous demandons pourquoi les humains meurent-ils? Pourquoi dans le monde il y a-t-il du mal, de la maladie, des souffrances et de la mort? On peut alors répondre à de nouveau. D'abord, la mort, la souffrance et la maladie existent parce que la nature humaine est fragile, vulnérable et mortelle. Naître, se développer, atteindre les sommets de ses forces, être blessé au cours des routes, dépérir peu à peu, puis mourir un jour, c'est le cheminement normal et naturel de toute créature, de toute vie terrestre. On doit dire aussi que la mort et les atteintes à la vie existent à cause de nous. C'est nous-mêmes qui sommes la cause de cette destruction de notre vie. Nous donnons la mort. Pensons à la pollution de l'eau et de l'air, au changement climatique. Qui en est responsable? Nous. Pensons aux personnes humiliées, bafouées, agressées physiquement, exploitées moralement, pervertis psychologiquement. Qui est le responsable de cette dégradation de la vie, sinon des hommes et des femmes qui n'ont guère de respect et surtout aucune tendresse et aucun amour pour ceux et celles qui les entourent? Nous devons les connaître
Impossible de le nier. Peut-être faut-il dire aussi que personne parmi nous n'a les mains totalement pures. Qui n'a jamais blessé son frère, sa sœur, son voisin. Il reste que Dieu veut toujours la vie et qu'il travaille inlassablement à la donner et à la restaurer. C'est le message que livre l'Évangile. Jésus, une fois de plus, y apparaît comme celui qui, au nom de Dieu, son Père, sème la vie en abondance. Voyez dans la page de l'Évangile de ces jours, Jésus ramène à la vie la fille de Jaïr. Cette réanimation de la vie de Jaïr est une image, un avant-goût de notre résurrection. Comme Jésus a pris cette jeune fille par sa main, il nous prendra à notre tour pour la main. À toute l'humanité, il dira, jeune fille, lève-toi. Le baptême nous en donne un avant-goût. De plus, nous avons entendu dans l'Évangile qu'avant cette résurrection de la fille de Jaïr, Jésus guérit une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Cette femme est exclue de la société de ce temps-là à cause de sa maladie. Mais elle s'est dit, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. Perdue, cassée au milieu de la foule, comme un geste volé, elle reçoit cette parole de Jésus, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Frères et sœurs, par Jésus, nous ne sommes pas des personnes anonymes, perdues dans une foule. Il attend chacun de nos appels, même si nous ne les lui exprimons pas ouvertement. Il sait, il les connaît parce qu'il est la force vive de Dieu. Il est la vie et la puissance de vie qui vient de Dieu. Aujourd'hui encore, le Christ peut guérir toute blessure. Blessure physique, ce n'est pas fréquent, mais c'est possible. Blessure psychologique et morale, cela produit chaque jour. Il peut redonner la vie. Parfois, il donne des signes manifestes de guérison ou de vie retrouvée. La foi est cependant requise pour les lire correctement. En réponse à cette bonne nouvelle, nous ne pouvons que suivre le Christ sur le chemin qu'il nous montre. Et en le suivant, nous découvrons mieux qui il est et comment il opère. Comme cette femme dont nous parle l'Évangile, nous pouvons nous approcher de lui. Il s'est laissé toucher par nous. Dans chaque sacrement, une force sort de lui. Il peut guérir le corps et surtout remplir l'âme de cette force. Si nous accueillons vraiment le Christ dans notre vie, rien ne peut plus être comme avant. Rempli de cette force et de cet amour qui est en Jésus, nous sommes envoyés vers les autres. Ils sont nombreux, ceux et celles qui souffrent de la maladie, de la solitude et du deuil. Nous pensons aussi à tous ceux et celles qui connaissent le chômage, la précarité et les violences de toutes sortes. Dieu ne se réjouit pas de voir mourir les siens. Il faut que cela se voie dans notre vie. Il nous envoie les uns vers les autres pour construire ensemble un monde plus juste et plus fraternel, un monde rempli de l'amour qui est en lui.
en ces jours, nous sommes venus à toi, Seigneur, comme autrefois. Tu te laisses toucher par nos prières. Tu ne veux pas la mort. Rends-nous audacieux et inventifs pour défendre la vie partout où elle est menacée. Fais de nous des témoins de ton amour auprès de tous ceux et celles qui nous entourent. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Inspiré par l'audace de la femme et la confiance de Jaïr dans le récit évangélique, approchons-nous du Seigneur en lui offrant notre prière qui saura l'émouvoir. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Aux responsables des centres de spiritualité et des lieux d'accueil en Église, que le Seigneur accorde la force et l'audace de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Aux personnes qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, que le Seigneur accorde la paix et la guérison. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Aux dirigeants politiques et sociaux, qui ont de lourdes décisions à prendre pour le bien des nations, que le Seigneur accorde son esprit de discernement. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Aux gens désemparés qui se sont laissés envahir par la peur, l'angoisse, l'envie de tout laisser tomber, que le Seigneur accorde l'espérance et la consolation. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. À notre communauté qui cherche à vivre toujours plus près de Dieu, que le Seigneur accorde le bonheur et la joie. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Père céleste, source de toute vie, viens renouveler les forces de ton Église en prière et daigne exaucer ce qu'elle te demande dans la confiance. Nous t'en prions par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. J'invite les personnes désignées à recueillir vos offrandes. Merci beaucoup pour votre générosité. Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir à notre action de grâce toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu accomplis, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous sentons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Qui est la source de toute sainteté. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ces premiers jours de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ce pain et buvant à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi, nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que nos parts au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de toutes les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous sentions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ,
Tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus soit toujours avec vous. Donnez-nous un signe de paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuse les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas de te percevoir. Si c'est moi une parole, je serai Dieu. Les corps du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Sur l'autre rive, tu nous connais par notre nom, tu sais la faim qui nous habite et le désir dont nous aveuglés, soit la lumière qui nous délivre.
de l'amour du Seigneur. D'auprès du Père, viens nous marquer de ton esprit. Tu es la manne sur nos terres, le pain d'espoir dans notre vie. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour. Seigneur, pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Ton corps livré à notre table nourrit la force des croyants. Béni sois-tu pour le partage qui fait grandir dans notre vie. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Bonjour. Une seule annonce au prône. Depuis quelques semaines, on a recommencé à dire les messes au Jardin Gordon, sur la rue Gordon. Les autres ont demandé une fois ou 15 jours. Alors, on assure la messe là pour les personnes résidentes. Et on nous a invités maintenant à retourner à la ressource intermédiaire Notre-Dame de la Paix, l'ancienne église Notre-Dame de la Paix. Pour à partir du 9 juillet. Je ne suis pas sûr si ça va être à toutes les semaines comme on faisait auparavant ou s'ils m'ont demandé aux 15 jours. On va vérifier ça quand on va recommencer. Déjà, on a une petite équipe de bénévoles à Jardin Gordon. Nous avions une équipe de bénévoles à la paix, mais ça, c'est là avant la pandémie. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils vont pouvoir revenir. Fait que je fais un appel, s'il y avait des personnes qui seraient disponibles les vendredis à 14 heures et qui accepteraient de venir donner un coup de main. En fait, ce que ça consiste, c'est d'arriver, mettons, au moins une demi-heure avant pour aller chercher les personnes aux étages et les accompagner pendant qu'elles viennent à la chapelle et après la messe, de les accompagner de nouveau à travers l'ascenseur, avec l'ascenseur, remonter à leur chambre, les laisser là, puis revenir, et c'est tout. Bien sûr, toutes les personnes là-bas sont vaccinées doublement, donc ils font attention, là, puis bien sûr, je suppose que les gens qui vont y aller vont être au moins un vaccin, puis ils ne seront pas avec de la fièvre et tout ça. Alors, s'il y avait un couple de personnes qui seraient disponibles et qui seraient prêtes à donner un engagement soit chaque semaine ou au 15 jours, ben vous pouvez laisser vos noms au kiosque à l'arrière et on vous recontactera. Ce n'est pas vendredi cette semaine qui s'en vient. Le 9 juillet, on va recommencer. Merci.
prions le Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donne la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche, bonne semaine aussi. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.